j'espère que tu vas bien. Qu'est-ce que je filme là? Eh ben oui, Foxy et Domino montent la garde. Il aboie, il y a du monde à côté, c'est pour ça. Alors, Chrissa n'est pas là, elle est chez le dentiste. J'espère qu'elle va revenir avec la bonne nouvelle fatale, c'est-à-dire qu'on va pouvoir partir. Donc on a déjà pas mal emballé. Là, c'est le vélo qu'on a prêté ce matin à Chrissa qu'elle doit rendre. Il reste sa chaise. Moi, il me reste que le câble électrique. Comme d'habitude, tu as la douce musique de Domino. Voilà. Coquelicot est prêt aussi. J'espère qu'on va pouvoir partir. Ça y est, Chrissa est revenue de chez le dentiste. Donc ça y est, moi je suis prête à décoller. Je décolle. Elle va décoller dans quelques minutes. Bon, let's go cette fois-ci. Go, go, go. Ça y est, enfin la route vers de nouvelles aventures. Bon, nouvelles aventures, on se fait quand même une étape. Aventure en douceur. Chaque jour un petit pas. Pas trop, hein. Ça fait du bien de conduire. J'ose même pas imaginer dans quel état est Chrissa. Ce matin, elle était un peu entre la joie et l'émotion, la petite larme de quitter Donia, ce que je comprends tout à fait. Parce que c'est vrai que maintenant, ça fait 4 mois plein qu'elle a Donia, qu'elle était à Donia. Je comprends tout à fait. Moi, je restais un peu moins longtemps au camping de Los Alcazares et c'est vrai que ça m'avait fait aussi quelque chose en partant entre la joie et l'émotion. Et là je pense à ma petite chérie Chrissa qui doit être au volant avec toutes ses émotions dans sa tête, dans son petit cœur et la joie surtout de reprendre le volant. Et j'espère que ça va là. Ça va lui redonner vraiment à 100% le sourire d'être sur la route avec les nouveaux projets et tout. Bon alors en tout cas, l'étape du jour avec Chrissa, ben c'est Baza. Baza, ça s'écrit B-A-Z-A. C'est à mi-chemin de la route qu'on doit faire, même un petit peu plus que mi-chemin. Donc ça nous fait deux bonnes heures de route. Juste de quoi se faire plaisir dans la conduite, dans les paysages. Comme tu peux voir, beaucoup d'oliviers. Je m'en lasse pas, ben, je ne m'en lasse pas parce que c'est joli, le relief est joli. C'est assez varié. Donc ça va. Pour l'instant, je ne me lasse pas des oliviers. Peut-être qu'à un moment donné, je m'en lasserai, mais bon, là ça va. Ça va, ça va. Comme on va recommencer quand même un peu à bouger, on verra d'autres paysages. Mais en tout cas, c'est bien joli quand même ces arbres. Moi qui adore les arbres. Oula, la route, elle fait beaucoup de caprices là. Waouh. J'aime pas quand ça fait ça. Je sais pas si toi aussi ça t'agace, mais alors moi j'aime pas du tout. Il y a même Cassie, tu vois le râle un petit peu. Même à Cassie. Ben oui, hein. Ça sautille dans tous les sens. Je roule pas très vite, je suis à 80. Ouais, ça va, je suis à la bonne vitesse. Hein. C'est réglementé à 80. Derrière moi, il y a du monde. Bon, je sais pas si t'as écouté les dernières informations d'Espagne. Bon, c'est sûr que moi, j'écoute tous les jours. Ben, c'est même pas tellement que j'écoute. Là, maintenant, finalement, je lis le journal espagnol, ça me met aussi dans l'espagnol. Donc depuis ce lundi 22h, les masques sont obligatoires vraiment maintenant de partout. Et les consignes sont vraiment très très strictes parce qu'ils ne sont pas contents qu'il y ait des cas en plus. Hein, parce qu'en plus on va dans la direction de Murcia et dans la province de Murcia il y a quelques cas de retour de Corona. Bon, on sera très très prudente.
les masques, les gants, désinfectants, etc., etc. C'est dit, redit. Dans le journal, il y a même détaillé, ils ont même détaillé les amendes qu'on peut avoir si on ne fait pas ci ou ça. Alors, ça démarre de 100 euros, ça peut aller, bon, pour certaines sociétés, ça peut aller jusqu'à 600 000 euros, tels que les restaurants, les cinémas, etc. Bon, ça, j'espère que ça va calmer les gens qui font pas attention, parce que c'est vrai qu'ils mettent en danger tout le monde, quoi, tout simplement. En tout cas, on y pense un tout petit peu, on fait attention bien, mais on pense surtout au projet, à la route, à la vie, à la santé, au sourire, à tous ces bonheurs. Ça, c'est clair. Bon, je viens de faire le plein. Ça a remonté un petit peu. 1 euro le gasoil. Mais ça va, ça reste tout à fait correct. Et pendant que j'étais en train de payer, j'ai vu que Foxy passait sur la route. Donc tout va bien. Donc c'est que tout va bien. Foxy est en forme, Krissa est en forme, Domino est en forme. San Juan, est-ce qu'il y a de l'eau au moins? Ah oui, il y a un tout petit pépi de chat. Oui, en fait, je te disais que le gasoil a déjà augmenté. Je ne sais pas si tu as suivi, mais au moment du confinement, etc., au moment où on ne pouvait pas rouler, mais quand même, on a eu la chance de pouvoir faire le plein. Le gasoil était à 83 centimes. Donc ça, vraiment, c'est quelque chose qui était plus qu'exceptionnel. Hein. 83 centimes, c'était bien, mais comme je dis, à 1 euro, ça reste encore bien. Mais bon, c'est normal, hein, la vie reprend son cours, donc c'est normal que ça réaugmente. Regarde cette vue. Ah, c'est joli. Là, on est à un peu plus de 1000 mètres d'altitude. Attends, je vais vérifier. Donc, on vient de passer un col à 1000 mètres d'altitude. Et là, ben, on redescend. Alors, qu'est-ce que c'est joli. Un Guadix, hein, c'est par où je vais passer et par où je suis déjà passé en venant rejoindre Krissa. Sachant, comme je te l'ai dit, nous nous rendons dans la province de Murcia. Pour l'instant, on va se faire une étape à Bassa. Ça y est, on va arriver à Bassa. Allez. Là, j'ai pas le temps de voir ce que c'est. Faire attention à la route. Ça doit être des arbres fruitiers sur les côtés. Mais pas d'olivier. Voilà, j'arrive. Et voilà, j'ai rejoint Foxy
qui s'est caché, qui s'est mis à l'ombre. Ouais. Et là, nous avons... Salut. Comment ça va? Chaudement, mais on a la chance. On est parti, il faisait 38. Ici, il ne fait que 33. Donc, on a perdu quand même 5 degrés. Hein, j'ai pensé à toi. Quel effet ça fait de rouler après autant de temps? Oh putain, ça fait du bien. Bon, en tout cas, on est bien arrivé à Bassa. Ouais. Donc, une petite étape d'une nuit. On est bien, là je me suis mise à l'ombre aussi. On est super bien. Ouais. Et brièvement, l'autre jour, Krissa vous a parlé qu'on va avoir un nouveau complice dans nos deux équipes. Eh oui. Et on va vous le présenter. Regardez. Voilà. Voilà Pépino. C'est Pépino. C'est Pépino. Tu dis bonjour. Donc, voilà. C'est le premier voyage de Pépino avec nous. Ouais. Mais oui, t'es beau. Ouais. Donc, il est dans l'équipe de Foxy, Krissa et Domino. Voilà. Il est très sage. Quand on roule, il est vraiment... je suis étonnée. Il ne bouge pas, il ne dit rien. Je l'avais attaché au départ et puis à un moment donné il a sorti, parce que ça c'est sa spécialité, de sortir la tête du harnais pour se barrer. Mais en fait c'est un fugueur comme Domino. Comment ça se fait qu'il est ton complice maintenant? C'est qu'en fait c'était un chien ouais, plus ou moins abandonné quoi. Et voilà, il m'a rejoint et il m'a plus quitté. Ah, ben si, je mets mes doigts devant. Ah, oh, Titi, mais oui, il est vraiment adorable. Ouais, ben un jour, il est arrivé, parce que ça fait déjà un mois et demi, c'était avant qu'Ambre arrive, et ben, il ne m'a plus quitté. Voilà, et du coup, je le garde. Voilà, donc c'est le nouveau complice. C'est le nouveau complice. Son premier voyage. Et puis, apparemment, ça faisait déjà quelques temps qu'il se baladait tout seul parce que j'ai demandé un peu à gauche et à droite si quelqu'un connaissait chien. Il est quand même facile, reconnaissable avec sa queue en tire-bouchon. Et c'est ce qui est très marrant. Il a... Attends, je les suis. Voilà, avant que vous posiez la question, voilà. Ouais. Comment ça se passe tous les trois? Et avec Cassie? Avec Cassie, ça se passe très bien. Voilà. Et puis, donc, il y a plusieurs gens qui m'ont dit qu'ils l'ont vu se balader tout seul dans le village. Il a débarqué chez moi et puis il m'a plus quitté. Voilà. Personne n'a jamais réclamé, personne n'a dit quoi que ce soit. Et bien maintenant, il voyage avec nous. Domino est d'accord? Plus ou moins. Ah, il y a encore des... Ça fait le petit jeune, quoi. Alors, il a dans les 2 ans. On pense qu'il a dans les 2 ans. Ouais, pas plus. Et c'est un chihuahua croisé podenco andalou. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous connaissez les podenco. Les podenco, ah, normalement, sont des chiens relativement grands. Mais il y a des podenco qui vont de assez grands jusqu'à tout petit. La taille de Domino, la taille d'un teckel, en gros. Et lui, il se situe à peu près au milieu de la famille de Podenco. Donc les chihuahuas, vous connaissez, sont plutôt petits. Ouais, bah oui. Et il y a un Podenco ou une Podenco qui... Voilà. Alors montre-nous comment il obéit bien déjà. Pépino, viens là. Venga aquí. Il obéit super bien. Il est mignon, il est craquant. Il est craquant, c'est, ouais, vrai, c'est craquant. Un vrai séducteur. Hein? Voilà, c'est bien, mon pépino. C'est bien. Wow, wow, wow. T'as chaud comme tout le monde. Et puis, apparemment, il a eu une vie pas trop facile. Parce que quand il est arrivé, il avait un peu mal aux articulations, il avait un peu mal aux pattes, il avait un peu mal sur le dos. Et maintenant, ça commence à ranger. Il mange correctement, il peut même bien mordre comme il faut. Les pattes, ça va mieux, donc ça s'arrange. Bon. Hein? Allez, maintenant, on va aller boire un coup.
Les animaux vont manger. Oui, moi aussi, j'ai faim. T'as faim, toi aussi. Allez, au revoir tout le monde.